Good morning, allez, il est aujourd'hui le Nishmat, Richard Aharon, Ben Fortune Mazal et Claude Israq, Ben Fortune Mazal. Si vous souhaitez, vous aussi, dédier une prochaine étude de Mishnah contacté de la 5 minutes éternelle, nous étudions Maserat Shkalim, Perkei, Mishnah Gimel. Arba, Chotamot, Ayuba, Migdash. Vekatou, Valehen, Egel, Zahar, Gedi, Chote. Ben Azayomer, Chamisha, Ayu, Baramit, Katou, Valehen. Egel, Zahar, Gedi, Chote, Dal, Vechote, Ashir. Egel, Meshamajim, Niske, Bakar, Gedoli, Moktanim, Zecharim, Monekevot. Gdim Meshalem im Niske Tson Gedulim Uktanim, Zacharim Unkevot. Chutz Meshalelim. Zachar Meshalem Meshamesh im Niske Elim Bilvad. Chote Meshamesh im Niske Shalosh Behemot. Shel Metzoraim. Je situe d'abord la Mishnah, on a les trois prochaines Mishnayot qui vont parler autour du même sujet, pour définir précisément le procédé, comment ça se passe au Beit HaMikdash. C'est-à-dire, on est dans le début de notre chapitre, on a évoqué toutes les fonctions qu'avait au Beit HaMikdash. Il y avait, je crois, 13 fonctions qu'on avait citées, ou je ne sais plus, un peu plus. Toutes sortes de rôles qu'il y avait à remplir par des personnes. Et il y avait spécifiquement deux personnes en rapport avec les Nesachim, les oblations. Chaque korban qui était Ola ou Shlamim, il fallait apporter une oblation. Ça incluait une certaine quantité de semoule, mélangée avec une certaine quantité d'huile, et aussi en apportant plus en parallèle aussi une certaine quantité de vin. On va tout expliquer avec Bezrat Hashem après. C'est ce qu'on dit à Rosh Chodesh dans le Moussaf, au Minchatam, Meniskehem, Kim Dubar, Shlosha Esronim la Par, Ushne Esronim la Aïl, Veisaron la Keves, Veyain Kenisko, Shak Yain. D'accord, on va tout expliquer avec Bezrat Hashem. Donc il y avait. Selon le corban qu'on apporte, il y avait une certaine quantité de semoule, d'huile et de vin à donner. Il y avait, au Beit HaMikdash, parmi tous les rôles, il y avait deux endroits où il fallait d'abord partir. On partait acheter un ticket, puis après, avec le ticket, on partait chez l'autre pour recevoir son kit des oblations. Étant donné que les corbanotes étaient faits avec un très grand niveau de pureté, on évitait que les gens ils nous rapportent de leur propre huile et de leur propre semoule. Viens, donne-nous ton argent, on s'occupe de toi, on te donne du glat cachère, parfait, comme ça, on évite les complications, d'accord? Donc maintenant, le but de notre prochaine mission, ça va être d'expliquer le procédé, comment ça se passait. C'est-à-dire, c'était pas qu'on partait directement chez celui qui avait les semoules et tout ça, on lui donnait l'argent, il nous donnait directement. Je sais pas pourquoi c'était pas comme ça, ça aurait pu être. Peut-être que ça aurait fait trop de pression d'un coup. On préfère fonctionner avec, tu vas d'abord acheter le ticket chez l'un, et puis après tu prends le ticket, tu vas chez l'autre, tu récupères ce qui te revient. Selon ce qu'il te donne. Il y a concrètement maintenant, la Mishnah, elle va nous évoquer trois familles. Quatre même plus précisément. Je pense qu'on va d'abord traduire la Mishnah, parce que vous allez relativement comprendre et même vous familiariser un peu avec les notions, après on les résumera. Arba, Chotamot, Ayuba, Migdash. Il y avait quatre types de Chotamot, c'est de tickets tamponnés. Donc il y avait quatre types de tickets. Ouais, avec lequel je partais acheter selon le corban que je devais apporter. Alors, si j'apportais une vache, c'était une certaine oblation. Si j'apportais un petit mouton, c'était une autre type d'oblation. Je payais en fonction le kit de nécessaire que je vais avoir. Je récupère un ticket et je partais de l'autre côté. Concrètement, il y avait quatre sortes de tickets. Les bleus, les blancs, les rouges, les jaunes. Alors, concrètement, on écrivait plutôt qu'est-ce que vous en faire. Les Katouva l'année avait écrit sur eux, Egel. Zachar, Gdi, Choté. Egel, c'est un veau, c'est-à-dire la famille des vaches. Zachar, alors Zachar, ça ne veut pas dire un masculin. Zachar, c'est vrai que ça veut dire aussi masculin. Mais là, en l'occurrence, on parle du bélier spécialement. D'accord? Le bélier, c'est le mouton quand il devient adulte. Il a un statut différent des autres moutons. Tout sera expliqué dans la prochaine Mishnah. Dans cette Mishnah, déjà, comme on va voir dans la suite. Gdi, c'est le petit agneau ou la petite chevrette. Chevreau. Choté, c'est le fauteur. En fait, on parle de celui du Metzora. Étant donné qu'il a un kit d'oblation très particulier, il a une très grosse quantité, donc à lui, au lieu de lui donner trois tickets, on lui donnait un ticket spécial, et comme ça, quand il arrivait là-bas, il reportait avec les mains bien pleines, avec tous les sacs qu'il avait besoin, pour partir ensuite faire ses oblations. Parce que le Metzora, en fait, il a porté trois corbanotes, et il avait une huile spéciale. J'avance, après on va tout reprendre, d'accord? Donc du coup, le but de notre Mishnah, il est de le préciser. Sache que dans le système là d'aller chercher le ticket pour ensuite pour aller chercher la boisson, il y avait quatre éventualités. Egel, Zachar,
Gdi Chote. Viens Ben Azaï, et on rajoute un autre. Ben Azaï, non, il y en avait 5. Chamishayu. Va Aramit Katouvalen, en plus ça, ils étaient même écrits en araméen. C'est-à-dire, c'était pas, je sais pas, le Zahar, c'était pas le Zahar, c'était écrit Dichra, Duchra. D'accord? Va Aramit Katouvalen, c'est écrit en araméen. Étant donné que les gens, ils parlaient plus l'araméen que l'hébreu, en fait. Et donc, c'était quoi les cinq éventualités? Il y avait bien sûr Egel, Zahar, Gdi, comme le précédent. Donc, le veau, le bélier et le petit mouton. Ou encore Choté, Dal, le fauteur qui est pauvre, le Choté, Achir, le fauteur qui est riche. De quoi on parle là? C'est-à-dire le plus compliqué. Et on continue la mission. Egel, Meshamesh, Im, Niske, Bakar, Gedolim, Oktanim, Zecharim, Onekevot. Lorsque je te dis Egel, le veau, en réalité, c'est pas que le veau. N'importe quel gros bétail, les bovins donc, que tu apportes, et le Egel, mais quand celui qui a écrit Egel, le veau, eh bien, avec ce ticket-là, ce bon-là, tu pourras retirer Meshamesh, tu pourras l'utiliser. Im, Niske, Bakar, tu pourras l'utiliser avec toutes sortes de doublations des bovins. Gdoli Muktanim, qu'il soit adulte ou qu'il soit enfant. Zachari Monekevot, qu'il soit mâle ou qu'il soit femelle. Donc la vache, le taureau et le veau. Le veau et la génisse, je crois que ça se dit. D'accord? Ça, avec le Higel, tu sais, quel que soit l'animal que tu apportes du gros bétail, tu achètes ce ticket qui s'appelle un ticket qui est du Egel. Le deuxième, c'est Gdi. Alors Gdi, c'est l'autre extrême. C'est le petit mouton. Et lui, Meshamash Imnisketson Gdolim Uktanim. Tu vas l'utiliser avec lui pour obtenir les Nesachim, les oblations du Tson, du menu bétail, des ovins. Gdolim Uktanim, adulte ou enfant. Zchari Menekevot, mâle ou femelle. Mais à une exception, Chus Michel Elim, l'exception du Elim. Elim, c'est le bélier. Parce que Zahar, lorsque tu vas l'acheter le bon du Zahar, du bélier, en l'occurrence qu'on appelle le Zahar, mais Shamashim Niske Elim Bilvaz, lui, il sera spécifique au Elim. Elim, c'est un adulte qui est de la famille des moutons spécialement. Et je laisse la dernière phrase pour après, et puis on reprend le Moussaf de Rosh Chodesh. Viniskehem, Khatsiye, qu'on apporte à Rosh Chodesh, par exemple, c'est un combat public. Il y a là-bas des Kvasim, Par, Elim, ouais. Et donc, par Elim Gvasim, Vachar Rajab t'écrit au Lachem, Parim Benevakar Shnaim, deux parts, deux taureaux. Parim Benevakar Shnaim, Vail Echad, un seul Aïl, un bélier, et Veshiva Gvasim, Beneshanat Mimim. Et donc, ça fait, regardez, on apporte un peu de tout là. Chacun, il a une oblation spéciale. Veniskehem, quel Nesachim on va leur apporter? Alors, on va apporter Chatsi Ha'in et la part, un demi-hin, un hin, souvenez-vous, un hin, c'est 12 logs. C'est plus facile en fait, on va parler en log. Je te demande d'apporter Khatsiaïn, donc tu apportes 6 logs. Pour la vache, tu apportes une quantité de 6 logs. Ouais, vous rappelez avec Escalavodo, FACA, Cave, Log, Beitza. Un log, c'est 6 Beitza selon Goudo. Escalav, Goudo. FACA, Cave, Log, et Goudo, c'est les coefficients. Donc ça fait pour un log, 6 Beitza, 6 œufs, équivalent de 330 grammes, une canette de coca. Donc elle doit apporter 6 comme ça d'huile. Veniskem, Khatsiaïn, y est la part. Non, je sais pas, je mange un peu la semelle, la semoule. Et le vin et l'huile. Mais, d'accord, je leur apporterai donc une grosse quantité. Il y a la part où je les chite à in, la haïl, ou vite à in. Donc il y a la part où je les chite à in, et le tiers du hin, donc le tiers de 12, ça fait 4, pour le haïl, pour le bélier, une plus grosse quantité, donc ça fait 6, 4 ou 3. Et l'autre c'est ou vite à in, le quart de 12, donc ça va faire 3. D'accord? Chacun a sa quantité. Donc ça, c'est les trois corbanotes de base. Selon ce que tu apportes comme corban en Ola ou en Shlamim, alors tu passeras d'abord chez celui qui vend les bons, tu achètes un bon et tu vas chez l'autre pour récupérer ce qui te revient. D'accord? Pour le moment, je crois qu'on a tout expliqué toute la Mishnah en fait. Il y a une exception, c'est le Choté. Alors là, maintenant, on y arrive au Choté. Choté, Meshamesh, Imniske, Shalosh, Behemot, Shal Metzoraim. Le bon où il y a écrit Choté, fauteur, parce que le Metzora, c'est un fauteur, il a roussé la sarate parce qu'il a vu, il a perdu la chenara, parce qu'il avait de l'orgueil, parce qu'il a fait toutes sortes d'avirotes spéciales qui sont explicites dans la Mishnah, donc c'est pour ça qu'on l'appelle le Choté. Lorsqu'il va faire sa tchouva, il va devoir apporter maintenant 3 moutons. Donc, il va devoir apporter déjà donc 9 logs d'huile et de vin.
Et donc, ça va faire pour chaque un, trois, neuf. Et en plus de ça, il y a même un truc spécial dans le Metzora, c'est qu'on a besoin de l'huile pour pouvoir faire un autre procédé. On a besoin d'un lobe d'huile supplémentaire. Tout un procédé que le Kohen, il prenait l'huile, il le mettait sur le lobe de l'oreille droite, sur le Valbonia doit y en mettre, sur le pouce droit et sur le pouce du doigt de pied aussi droit. Et le reste, il lui est allé, il devait lui moindre la tête. Et donc, du coup, il fallait un log supplémentaire. Donc, en fait, il avait 10 logs d'huile. Donc, du coup, on donnait un bon qui avait écrit dedans le Metzora et on lui donnait ça. On a expliqué quasiment tout de la Mishnah, si ce n'est Ben Azaï. Maintenant, on revient sur Ben Azaï avec le Ben Azaï. Il a fait une deuxième sous-partie. C'est le Choté Dal, le fauteur. La Torah l'a précisé, dans certains combats de notes, en l'occurrence pour le Metzora, que selon les moyens, il peut apporter aussi un corban bédalout. S'il n'a pas les moyens d'apporter un corban, apporter trois moutons, ça coûte de l'argent. Il y a tout un barème spécial, on va voir qu'il n'a pas les moyens d'apporter. On va lui demander d'apporter moins. Alors tu apportes un seul mouton, et à la place des deux autres moutons, tu apporteras deux petites volailles. Ça coûte nettement moins cher. Quand tu apporteras les volailles, maintenant il n'y a pas d'oblation avec les volailles. L'oblation c'est qu'avec les Ola ou Shlamim en bétail. Donc du coup, il a juste un seul log. Donc t'as le fermier, il te dit, ben écoute, t'apportes un mouton, ton bateau donne un ticket de mouton. Sauf qu'il y a un petit problème technique, c'est l'histoire de l'huile qui va malgré tout, il va falloir lui mettre sur le lobe de l'oreille, le pouce, et là il fallait un log supplémentaire. Alors ça se passe comme ça. Selon Ben Azaï, même ce log-là, il fallait aller l'obtenir depuis la vente qui se passait au Batamigdash. Donc, on voulait que tu l'achètes. Donc, dans le bon que tu vas l'acheter, il écrit que c'est un Metzora, on va écrire un Metzora Dal. Et il va aller partir chercher 4 logs. Et selon Tanakama, il te dit en 3 logs, et le log supplémentaire avec le Kohen qui va te le mettre sur toi, puisque c'est pas consommé, c'est un peu moins rude en niveau de pureté, et donc du coup on va te permettre de l'apporter de chez toi, de ta maison. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée de la Netzach HaKol Tov Salah.